Salut, c'est Horoscope et on se retrouve donc sur mon bureau donc pour vous présenter donc un petit court tuto. Donc ça sera concernant le fameux jeu Clash of Clans qui est déjà sorti il y a pas mal de temps. Donc je crois que ça va faire un peu plus d'un an, je pense, oui. Donc voilà, donc ce que l'on va d'abord faire, c'est tout simplement aller sur internet. Vous allez donc aller sur Google, bon, moi c'est par défaut au cas où, voilà. Sur Google, vous allez taper Clash Clans PC, voilà, ici. Et là, vous en avez deux. Donc gratuit pour Windows, comment ça marche, etc. Donc voilà. Alors, si jamais, donc je vais vous montrer. Première chose à savoir, il faut faire très attention, car il y a souvent des logiciels de type virus, etc. Alors, pour savoir comment reconnaître un virus, déjà, pour vous montrer, puisque je l'ai eu ici. Donc là, Clash of Clans est un jeu de stratégie qui vous invite à créer une armée et développer un village. Donc ça, on le sait très bien. Maintenant, vous n'allez pas cliquer sur télécharger ici, et je vais vous montrer pourquoi. Donc je vais faire télécharger. Et là, vous voyez, 624 KO, Clash of Clans pour PC.exe. Déjà, il faut savoir une chose, tout ce qui est add-on d'installation, etc. sont en MO, pas en KO. Donc ce qui voudrait dire que ce fichier est déjà louche, il est déjà loufoque. Donc ce qui veut dire que ceci n'est pas tout à fait, n'est pas normal. C'est anormal de trouver un fichier d'installation avec si peu de mémoire. Ce n'est pas normal, donc ce que je vais faire c'est annuler, parce que je sais que ceci est un virus, tout simplement. Donc ceci est un virus. Vous n'allez pas aller sur ce premier truc. Donc vous allez tout simplement donc je vous mettrai le lien dans la description. Ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est juste Start Blue Stake. Alors qu'est-ce que Start Blue Stake? C'est ceci en fait. Donc ça vous permet donc de lancer des applications d'Android et d'iPhone directement sur votre ordinateur. Donc c'est-à-dire avoir la démo de Final Fantasy 3. Si vous jouez sur PC mais sur un Android, enfin inversement plutôt, pardon. Et là donc vous avez donc Clash of Clans. Donc j'ai déjà installé Clash of Clans. Donc vous pouvez vous connecter directement via votre compte Google+. Donc voilà. Alors, je précise que ce jeu il est en français, donc vous connaissez certainement Clash of Clans, donc voilà. Tout simplement, donc voilà. Alors hop, je récolte. Truc. Puis ce que je vais faire c'est quitter donc mon truc, donc je fais retour, je vais quitter le jeu, oui. Vous allez taper dans recherche pour l'installer, recherche d'application, Clash of Clans, voilà. Normalement il me recouvre 15 résultats parce que je l'ai dit, ah voilà, voilà, avec un S, pardon j'avais oublié le S. Vous cliquez dessus. Alors moi mon application elle est déjà installée, donc ce qui fait que ça me lance le jeu. À ce moment-là, on vous demandera de l'installer, tout simplement. Donc ça, c'est pour le truc. Donc pour l'installer, c'est tout con. Vous allez donc sur Internet, à nouveau. Attendez, je vais vite faire un truc. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc vous allez taper donc sur Google plus take, tout simplement, plus start plus take. Et là, vous avez tombé sur cette page. Qui vous dira donc que vous pouvez donc c'est un Android sur ordinateur tout simplement, qui vous permet de jouer des jeux d'Android sur ordinateur. Et ça prend pas énormément de place, donc ce qui fait que vous avez des petits jeux franchement super. Donc si vous pouvez jouer sur PC au lieu de jouer sur Android, c'est plutôt parfait. Donc ce que vous allez faire c'est cliquer sur download à droite, et là ils vous disent donc toutes les choses à exécuter. Donc voilà, donc voilà un logiciel qui donne quand même confiance, qui fait quand même 13,4 MO. Donc 624 KO comme tout à l'heure, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, alors moi je l'ai déjà, donc vous faites enregistrer sous tel fichier, etc. Donc voilà, vous suivez les étapes, vous l'installez, et dès que c'est installé donc vous aurez donc ceci. Donc, je vais fermer tous les onglets, voilà. Vous aurez donc ceci, donc apps et start blue stake. Donc apps, vous n'avez pas trop besoin de faire attention à ça, vous pouvez le laisser sur votre bureau. Ça je vais supprimer puisque je n'en ai plus besoin, voilà. Et voilà, donc vous n'aurez qu'à lancer Start Blue Stake, et à ce moment là il vous fera une petite installation rapide et hop ce sera terminé. Donc voilà,
Ah oui, une dernière chose avant que nous quittions, sachez qu'il y aura donc de futurs live Twitch. Donc ce sera donc le mercredi et le vendredi. Donc de 20h à minuit. Avec possibilité de webcam, etc. Donc sur les jeux que vous voulez. Donc vous n'avez qu'à mettre dans le chat tel jeu que vous voulez voir jouer, etc., etc. Donc voilà. Donc il y aura toujours au début du live une vidéo. Donc enfin, ce sera un live directement sur le jeu Advanced Warfare en mode exo zombie, évidemment. Et c'est à vous de choisir les jeux que vous voulez voir. Donc comme GTA 5, DayZ, Killing Floor 2 que je suis en train d'installer. Et tout autre jeu que vous souhaitez voir, donc Sniper Elite V2, Nether, etc. Donc c'est à vous de choisir, tout simplement. Donc à chaque moment de pause, vous aurez un vote, je vous ferai demande de vote, donc c'est-à-dire en numéro 2 pour tel jeu, 3 pour tel jeu, etc. etc. Comme sur Star Academy, on va dire, entre guillemets. Donc voilà. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye tout le monde, ciao.